déjà la date fatidique est arrivée. Tant mieux pour moi. On arrive à la retraite. Je pense que c'est ce que tout le monde attend un jour ou l'autre. Par contre, je veux dire que j'ai passé donc chez G7 ces dernières années, de belles années. J'ai fait de belles connaissances. Je pense avoir donné le maximum pour cette pour G7. Je remercie aussi Jo qui m'a fait confiance à un moment donné en me donnant la responsabilité du groupe pour la facturation. Pour ça, je le remercie. C'est une des seules personnes dans mes patrons qui m'a fait de confiance. Donc, je le remercie à nouveau. Et Lionel. Donc, et Lionel derrière qui a peut-être sûrement participé à me donner cette fonction. En fait, ouais. Donc voilà, donc je les remercie. Donc voilà. Un minimum, hein, un minimum. Bon, on a passé des moments difficiles, comme toutes les entreprises. Et puis voilà, on est encore là et je suis content de cet accueil que vous m'avez fait aujourd'hui. Tout le monde a. Donc voilà, bonne route à G7. Hein. Et puis voilà, en espérant qu'on se revoit après, occasionnellement. Ça serait très sympathique bien pour moi. Donc voilà. Ok, merci. Parfait. Avec DJ, on s'est rencontré en 2015 à la reprise de Plein Sud, qui est devenu G7 Sud. Et pendant 2 ans, je l'ai juste aperçu puisqu'il était sous la coupole de l'ancien dirigeant. Et il faisait la facturation principalement du groupe Plein Sud, uniquement. En 2017, on a eu il y avait un gros orage, hein, dire ça comme ça. Et là, il a fallu se réorganiser et avant d'aller chercher ailleurs des fois ce qu'on a sous les yeux, faut regarder. Donc moi, je suis toujours attentif à les collaborateurs qu'on a qui sont à côté de nous pour les faire évoluer. Hein. Fred, Orez, Delphine, plus récemment ou d'autres, on sont des purs produits. Ils sont rentrés avec moi par la petite porte. Aujourd'hui, ils sont montés tous les échelons. Même comme Hugo est en train de le faire, mais même s'il est depuis moins longtemps avec nous. Donc j'ai vu qu'il y avait un homme qui était fidèle déjà à son ancienne direction, ça c'est important. Qui dit jamais du mal de personne, ça c'est important aussi, parce que dans les affaires, il faut savoir faire la part des choses et les conflits qu'il peut y avoir entre les uns et les uns et les autres ne doivent pas intervenir au quotidien dans le travail. Donc avec Lionel, on a bien réfléchi et on a décidé de faire monter DJ, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, lui confier des responsabilités, parce qu'on avait d'abord les compétences, et puis il fallait qu'il en ait l'envie, donc on lui a proposé le projet, il l'a accepté. Donc il a changé de statut, on a passé, on va dire, 7 ans en tant que responsable de facturation, on a donné entière satisfaction. C'est un collaborateur qu'on a regretté, voilà, parce que... On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on trouve. Bon, voilà, on s'adaptera. Il faut aussi qu'on travaille avec des jeunes. L'avenir est dans les jeunes et pas dans les vieux. Hein. Alors, je suis content que Didier dise que c'est l'âge du départ en retraite, hein, parce que on est inscrit. Donc, ça, peut-être que je partirai cette année aussi, je ne sais pas encore. Non, je ne crois pas. Voilà, en tous les cas, c'est une belle rencontre. Un collaborateur fidèle, loyal. À l'écoute, qui a su manager sa petite équipe, mais qui, je crois qu'on va les voir, il n'y a jamais de tension. Pendant ces 7 ans, au sein de son équipe, il n'y a jamais eu de tension vis-à-vis de DJ ou vis-à-vis de la direction. Donc je pense que c'est aussi le management au quotidien qui fait que ça se passe comme ça. Voilà, avec Lionel, ils ont plus travaillé ensemble parce que toute la partie facturation directement relié au commerce. Et puis moi, je les ai supervisés un petit peu de loin ou de près, ça dépend comment on regarde. Et puis voilà, puis je pense que c'est une belle rencontre et je pense qu'on le verra aussi à l'extérieur parce qu'il y a un homme là qui a des valeurs qu'on partage. Voilà. Donc on peut l'applaudir. Merci. Allez, à toi, Yonel. Bah écoute, t'as tout dit, je sais pas. Non, c'est super, je suis. On s'est beaucoup apprécié avec Didier, on a couru souvent ensemble, au boulot, mais ici, aussi sur dans les chemins, sur la route.
Donc voilà, ça va être un gros manque quand même. Hein. Je vais quand même tout seul maintenant. Alors, bonne retraite en tout cas, amuse-toi bien et profite bien de la retraite. Merci. C'est son seul Didier. Didier de la part de l'agence G7 Savoie. G7 Investissement. G7 Investissement. G7 Logis Saint-Pierre. Agence Saint-Pierre. Voilà. Merci à tout le monde. Et tu ne vas peut-être pas tout comprendre. Je sais que pendant une semaine, tu vas me dire c'est quoi et c'est quoi. Mais voilà. Saison 1, rôle principal, Didier Campos. Épisode 1, l'équipe technique. Voilà, avec tout le monde des collaborateurs. Eh, après, là, il y a un mot d'amour. Il avait trouvé un truc, je pense. Non, mais. Non, après, il aura saison 2 dans le studio. Et tu auras saison 2 dans le studio, bien le dire. Ah ouais, d'accord. Donc, pendant une semaine, tu vas. C'est toi l'acteur principal, Didier. C'est toi l'acteur principal du film qui va se passer. Ouais, on va voir la saison. Voilà, la saison 1. Merci. Je pense que c'est. Je vais te laisser un petit mot de chacun, je l'ai dit. Ça va être dangereux. Ouais, allez, ça. Ça va être dangereux. Ça va être dangereux. Ça va être dangereux. Ça c'est. Épisode 2, acte 1. C'est pas mal. Il est trop petit, mais j'ai vachement d'inspiration. Je suis bourré, moi, donc j'écrirai. Ah, mon bébé. Bon, je vais chercher un appareil photo là. Non, c'est pas des jeux, ça. C'est vraiment. Bon, écoutez, merci pour cette. Pour tout ça, là, je vais faire une manche pour aller au stade. Ouais, tu montres une manche pour aller au stade. Le prochain tournoi de tennis, tu t'enfiles aussi. Ça va pas une manche. Ouais, c'est vrai. Comment ça montre histoire pour le stade. Je sais pas s'il arrive à comprendre un peu les séries, non? De quoi? Est-ce que tu as compris ce qui t'a. T'arrives à comprendre les séries un peu, non? Ça va pas être fixe, toi? Ben là pour l'instant, épisode 2. Ouais. Donc. Il était où le 1? Et le 1, qu'est-ce que t'en as fait? C'est la photo? Bah, ouvre. C'est lequel? Celui-là. Les gens, premier, ça. C'est comme ça que tu as vu. Si tu commences à être sénile ton premier jour. Finalement, la retraite est terminée, les gars. Il n'a pas envie. Oh putain. Ah, attention. Vas-y, respire. C'est celui qui va regarder les vidéos. Non, on n'a pas fait un review comme ça, c'est mort. On prend les petits déchets. Les cadeaux. Très sincèrement, ça.
ça fait vachement plaisir. D'accord, on voit. Non, non. C'est quelque chose que... que j'avais envie, mais maintenant je vais être obligé. Pour les gens qui vont regarder la vidéo, c'est quoi? C'est un saut en parachute. Voilà. Donc, écoutez, franchement... alors, je sais pas qui c'est que vous avez donné cette idée, mais c'est vrai que ça m'a effleuré l'esprit, que j'aurais bien aimé, ben je crois que je vais être obligé. Ouais. Tu fais le testament avant. Le four à pizza, tu nous le donnes, c'est bon. Tu nous le donnes, c'est bon. Mais le four à pizza, et la soirée ou un Thierry. La soirée de pizza avant. Je vois une bouteille de bière. Il y a les photos et la vidéo qui sont comprises. Ok, ben, en tous les cas, merci beaucoup. Donc, quelque chose où il va falloir que... Mais en tous les cas, très sincèrement, bon, je pense que ça va le faire. Bravo. Merci beaucoup.